Hamid Baroudi, bonjour. Bonjour la chaîne 3. Ça me rappelle les belles années de la radio. Ah oui, vous avez grandi avec la chaîne 3. Et comment? j'ai fait mes études. C'était, je crois, la chaîne qui m'est restée la plus fidèle durant mes études. Quand je faisais mes cours le soir chez Maaf et le lycée. Et en arrière-plan, il y avait une voix à un paravent et la chaîne 3, quoi. Toujours et toujours. Ouais. Alors, Akaline, que nous venons d'écouter, de très belles sonorités, des voix. Vous travaillez beaucoup sur les sonorités, sur la fusion de musique, avant de trouver la voix. Mais la voix aussi, elle est importante. Tout à fait. Donc, Akaline, extrait de votre album qui sortira fin février, Back to the Groove. Yeah. Back to the Groove, pourquoi? Parce que mes pieds nus ont touché le sable du Ténéré, de Tassili Nager. C'était à l'époque quand j'étais avec Othman Belli, qui n'était pas un ami, mais mon frère. Mmh. On a dormi dans le même lit, on a mangé dans la même assiette, on a été bercé par sa mère, Khadijata, ses enfants, en passant le bonjour à Samir, Nabil, Houda et Mano. Et on a fait un serment les deux. J'ai tout ça sur vidéo. Notre dernier concert, c'était à l'Expo Universelle d'Aichi au Japon. Donc on a fait des enregistrements, on a tourné quelques scènes de clips. Et lui, quand il est rentré à Janet, on s'est parlé au téléphone. Je devais descendre 2-3 mois plus tard pour lui présenter le mix et tout ça. On m'a appris qu'il était mort. On est cru à Janet et bon, j'ai laissé la chanson de côté, enfin cette idée. Mais dernièrement, en visionnant tous mes archives, je me suis dit c'est le moment de commencer 2017 avec un rappel, parce que on est souvent tenté d'oublier le passé. Mmh. Et de temps en temps, il faut que la caravane musicale repasse par Alger. Et Akaline veut dire, en tamashak, ma patrie. D'où cette tournée, hein, d'où cette tournée dans le sud algérien. Vous avez une relation, on va dire, particulière avec le sud algérien, Othman Belli, Layahmou. Oui, j'ai d'autres amis qui sont éparpillés, qui m'aident, les filles qui chantent dans la chorale avec moi. Elles sont venues en Arman, on a fait une tournée. Et chaque fois quand on avait un off day, jour repos, donc on rentrait dans le studio, on enregistrait. C'était deux filles, bon, je dirais pas les noms de famille parce que c'est des filles qui ne sont pas, mm-hmm, ils ne montent jamais sur scène. Ici en Algérie, on les connaît pas, mais c'est des voix du Hogar, c'est des voix extraordinaires. Mm-hmm. C'est des sœurs et leur mère, et elles ont été bercées par ma musique, et à Belly, tout ça. Donc le hasard a voulu qu'on se rencontre. Fait que l'oncle, il est venu, et le cousin avec il a joué un autre instrument, c'est lui qui joue le violon. C'est un violon, on a une connotation, c'est-à-dire une couleur un peu tindi. C'est comme rebaba. C'est un instrument qui est en train de disparaître. Et vous, à travers ce que vous faites, cet album déjà, c'est une manière de préserver le patrimoine. Tout et dans fait. Votre tournée, il va y avoir beaucoup d'artistes locaux. Tout à fait, c'est une très très bonne chose d'ouvrir cette parenthèse, parce que moi je ne suis pas venu comme Hamid qui veut aller jouer au sud. Peut-être à Alger, peut-être que c'est un événement, mais pour moi, j'attends avec impatience d'être à Adrar. J'ai jamais joué à Adrar, bon, je connais Adrar. Et la tournée, j'y tenais pour qu'elle commence au sud. Pourquoi le sud? Parce que c'est une région qui a été délaissée. Je veux dire, à tous les niveaux, c'est-à-dire, bon, c'est vrai, on puise notre soleil du désert, on puise, tout vient du désert. Et c'est comment dire, un hommage à rendre à ces gens-là. Et je suis sûr qu'ils attendent avec impatience. Le Belah, on était au resto, et le téléphone a sonné, et on me disait, ils sont en ébullition parce que tout le monde veut participer. Bon, moi, je vais laisser le champ à des jeunes qui n'ont jamais fait la scène, de jouer avec moi, locaux. Et c'est ce qui fait la magie, le désert, parce que tout sera improvisé.
Vous serez à la Maison de la Culture de Adrar, mardi 17 janvier 2017. 2017, oui, j'aime bien. Mardi 17 janvier, à la Maison de la Culture de Adrar, à 17h. Voilà la précision que je vous laissais, à 17h. Un autre extrait de votre album. C'est un hommage pour les Algériens qui sont partis à l'étranger. Alors écoutez, vous êtes live sur la chaîne 3. Il fait peur, hein? Pourquoi peur? Ben, j'aime le jazz. Oui. Ça rappelle un peu Algero, Bobby McFerrin. On écoutera toutes ces chansons dans votre tournée? Ah non. Pas encore. Parce que j'ai pas le droit de les jouer, pas avant la sortie de l'album. D'accord. Mais je ferai des exceptions, une chanson peut-être. Oui. Ah oui, pour. Mais j'ai des surprises pour les gens du Nord. Quelles sont les surprises que vous avez? Pour les gens, moi, ce que je peux vous donner comme scoop, parce que je suis pas à la chaîne 3, je suis dans ma radio. Je suis chez moi et même je suis en train de renifler les senteurs, les odeurs. T'as Bakri, t'as les années 70, 80, ma Maliki, Hafaf, Rulouma, Allalou, Aziz Mati, La Russie, tout ça. Pour ne pas, subhanallah, si j'ai pas dit toute la liste, mais la liste est là. Parce que la chaîne 3 elle a formé tant de gens. Et c'est ce que je disais, dans le domaine de la musique, et les gens sont censés avec dans le, j'appelle Smart Generation, ils ont oublié que c'est à la radio, c'est bien tout part d'ici. Le retour au groove, donc le groove est parti d'ici. Oui. Voilà. Donc voilà, Hamid Baloudi, un autre extrait qu'on vient d'écouter, Harraga, Back to the Groove. Et j'ai appris que vous avez un projet, bien évidemment, c'est ce projet, déjà la sortie de cet album, mais surtout que vous allez, après cette tournée, en Égypte. Oui. Tout un projet. Tout un projet. À Mohamed Mounir, qui m'a appelé avant de venir. Et ben, il m'a envoyé des idées enregistrées avec son smartphone et ben, en file, et je les ai écoutées pour produire quelques chansons. Bon, je lui ai dit que j'allais la tournée, mais après la tournée je monte au Caire, parce que Houa Fenik a une manière, comme c'est un enfant du sud, enfin du sud, il est Noubi, c'est un Noubien, c'est un enfant, c'est les vrais pharaons, hein, donc les gens, il a tout un patrimoine en lui, et il est en même temps un grand acteur, parce qu'il a joué dans le Massier de Youssef Shahin, et je donne donc une information, que, quand les gens connaissent Hakmet Lardar, le beau clip de Hakmet Lardar, qui est-ce qui a ouvert les portes de l'Ahram, c'est bien Mohamed Mounir et Youssef Shahin, comme il travaille avec lui comme acteur principal.
Alors, il m'a dit, Hamid, après la production, quand on a fait Hakim Dardar, que dois-je faire? Je lui ai dit, ouvre-moi les portes des pyramides. Et c'était là où on avait fait le clip de Hakim Dardar. C'est un clip qui est resté légendaire. On l'a fait en 35 mm. Actuellement, avec des smartphones, on peut tout faire. Et donc, je dois partir pour enregistrer tout l'orchestre, enfin les violons, tout ce qui est acoustique. Parce que même eux, ils ont un problème, ça risque de disparaître, le patrimoine. Mmh. Actuellement, c'est les samples, c'est les loops. Les gens travaillent avec beaucoup. Ils font plus confiance à l'informatique, à l'électronique. Que les sons naturels. Mais aux États-Unis, en Allemagne, ils reviennent aux sources. Tout à l'heure, on a parlé de Prince, on a parlé de des gens qui expérimentent comme Quincy Jones, comme Stevie Wonder. C'est-à-dire, leur production actuellement se base sur les instruments authentiques qui reviennent. Peter Gabriel le fait aussi, Sting le fait. Et d'ailleurs, dans cet album, on va dire, vous avez sillonné plusieurs continents. Exact, et vous avez travaillé sur plusieurs sonorités, sur plusieurs musiques, d'abord et avant tout, pour ensuite en faire ce qu'on vient d'écouter aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Un album qui a duré 5 ans. 5 ans, hein. Ouais, ans de préparation, parce que vous savez que, et là c'est une parenthèse qui est importante d'ouvrir, avant de la refermer sur... le problème financier. Notre ami, le groupe... Amin Chiben, oui. Chiben, oui. Lui, déjà, il hausse la tête parce qu'il sait que c'est un sujet qui concerne beaucoup les auteurs, les interprètes qui font tout seul. Le financement, les gens, ils écoutent, ils disent « Oh, super chanson !» Mais ils ne savent pas que... Derrière. C'est très difficile. Mmh. Il faut payer les musiciens, il faut les hôtels, le transport. Le mec là, on n'a pas de budget pour ça. C'est-à-dire, on fait des concerts pour subventionner ça. Moi, il m'est arrivé des fois à vendre des instruments pour pouvoir financer des albums. Mmh. Parce que c'est vrai, si on signe un contrat avec une société de disques, on vous donne toutes les opportunités pour faire de belles choses. Mais je pense que c'est pour cela que ça a pris 5 ans. Et je suis content, si l'expérience devait être refaite, je la referai. Et vous allez préparer aussi un documentaire. Ah oui, un 52 minutes, oui, sur ce passage à travers les 5 ans, où est-ce que j'avais enregistré. Un making of. Making of, il y avait des rappeurs aux États-Unis qui vont jouer sur une chanson. Oui. Le dernier scoop, je vous le donne parce que c'est j'aime la chaîne 3. On m'a demandé de refaire Caravan to Baghdad en anglais, alors je l'ai refaite en anglais avec des rappeurs. Et ça va être aussi refait au sud ? Non. Non. C'est une chanson qui a des sounds, bien sûr, qui rappellent le désert algérien. Mais une version 2017. On rappelle vos dates, Hamid Baloudi. Maison de la Culture de Adalal à 17h, mardi 17 janvier. Ouais. Jeudi 19 janvier à la placette publique de Ain Salah à 19h. Dimanche 22 janvier à la placette publique de Janet à 19h. Donc l'entrée est... Tamam Rasset, vous avez oublié. À Tamam Rasset aussi. C'est le 22. Et le 22 janvier. Oui. Ah oui, le 27. Non, le 22 janvier et le 25 à Tamam Rasset. Voilà, le 25 à Tamam Rasset. Voilà, c'est la maison de la culture de Tamam Rasset. Voilà, non, 22 à Tamam Rasset et le 25 à Janet, c'est le dernier concert. Donc j'ai tout inversé. Hein. Pas de problème. 22 janvier à Tamam Rasset et 25 janvier à Janet. À Janet, oui. Très bien, 19h. Donc l'entrée est, on va dire, est libre, c'est en plein air. Gratuite. Et gratuite, c'est en plein air. J'y tenais. Voilà. Texaha, Hamid Baloudi, merci beaucoup. Et nous remercions toute l'équipe de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, pour tout le travail. Et je vous remercie à vous de nous rendre visite ce matin. Merci, et merci pour la chaîne 3. Et continuez à faire de la bonne musique, de la bonne production. Il ne faut pas se laisser impressionner par la smartphone generation. Un dernier jingle pour la chaîne 3. Je la ferai en musique. Alors, je vous dis au revoir la prochaine fois. Et Inch'Allah. Merci à Fatima Sabri.